Ok, alors bonjour à tous. Donc nous, le challenge numéro 2, les données aux arrêts TPG comme valeur ajoutée pour les citoyens. Donc notre but, c'est d'agir pour les citoyens. Mais avant d'agir, il faut savoir quoi faire. Et la donnée existe, mais comment les utiliser? Finalement, on a beau les analyser, les corréler, les croiser dans tous les sens, ces données, on ne sait pas vraiment au final l'usager ce qu'il veut réellement. Du coup, on veut donner la parole justement aux utilisateurs. Par exemple, par une question, qu'appréciez-vous à un arrêt de bus ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé durant un trajet? Mais difficile à dire, y compris pour vous, et difficile à comprendre pour nous. Pour cela, on a imaginé le smart feedback. Donc, en gros, vous savez ce que vous voulez parler. Ça se développerait donc sur une nouvelle fonctionnalité dans l'application TPG afin de comprendre du coup le besoin et d'améliorer les données. Le citoyen devient acteur de la donnée pour l'améliorer. Donc, vous pouvez voir des infos en temps réel sur les arrêts, dire ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez aimé, et mettre un commentaire. C'est assez souvent. Finalement, le saviez-vous? En ce moment, la qualité de l'air à l'arrêt Bel Air est spécialement appréciée par nos usagers. les données seront donc utilisées pour vous informer, et vous serez justement informé des données que vous appréciez. Merci beaucoup.